Hello, c'est la famille. On s'est tenu une heure dans le pronostic de la Coupe du Monde 2022 sur le groupe C. Donc, du coup, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu espères de t'abonner, d'activer la cloche de notification et appuyer sur tout pour recevoir toutes mes notifications des nouvelles vidéos. Donc, du coup, n'oublie pas de t'inscrire avec mon code promo JUVE car tu vas récupérer 200% lors de ton inscription et lors de ton premier dépôt. Tu auras des bonus chaque jeudi et vendredi. Donc, du coup, nous allons nous diriger maintenant vers les matchs. Comme nous le savons, nous allons faire les pronostics et les meilleurs codes à parier sur OneXBet avec le groupe C. Okay, qui commence avec l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Comme le savons, l'Argentine en ce moment est en très très bonne forme, que ce soit défensif ou offensif. Ils sont en très très bonne forme, donc le meilleur à faire, c'est donner la victoire de l'Argentine. Okay? Et la victoire de l'Argentine. Là, maintenant, nous allons descendre pour voir les autres pronostics du match. Nous allons descendre, nous allons descendre. Et là, nous allons appuyer sur Total. Oui, nous allons appuyer sur Total. Et le mieux à faire ici, c'est plus de 2 buts dans le match. Et ça, c'est sûr, ça va rentrer. Et là, nous allons venir sur Total. Que l'Argentine Total en plus de 2 buts. Ça veut dire que l'Argentine puisse gagner avec plus de 2 buts. Donc, du coup, avant d'avoir de faire ça, je vais aller vous donner le code pour pouvoir donner la victoire de l'Argentine dans votre coupon. Et puis je vais commencer à sélectionner les meilleurs codes à parier sur le match de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Ça va vous permettre à gagner beaucoup d'argent sur OneXBet ainsi d'augmenter votre compte. Donc, du coup, là, je vous donne maintenant le code pour vous permettre à télécharger le coupon et à donner la victoire de l'Argentine. Le code est de ELGUX. Ce code va vous permettre à jouer ce match, la victoire de l'Argentine. Donc, du coup, nous allons l'enlever dans notre coupon. Ok, là nous allons venir et là nous allons venir donner plus de 2 buts. Que l'Argentine puisse marquer plus de 2 buts. Donc, du coup, nous allons mettre Total en plus de 1,5 et nous allons ajouter dans notre au coupon de Paris. Nous allons ajouter ça au coupon de Paris. Ok, nous allons appuyer OK. Là, c'est voilà le pronostic vient d'être ajouté sur le coupon de Paris. Et notez bien que tout ce que les codes que je vous donne dans la vidéo, car c'est très important et ça va rentrer. Donc là, du coup, je vais vous partager l'enregistrement du code. Et pour télécharger ce coupon, pour donner plus de 2 buts à l'Argentine, c'est UXGUX. Ce code va vous permettre à donner la victoire donner que l'Argentine puisse marquer 2 buts dans le match. Donc, du coup, là, nous allons venir maintenant dans les pronostics de la première mi-temps. Ok, donc venir dans les pronostics de la première mi-temps. Ce qui est bien à faire, c'est de donner la victoire de l'Argentine à la première mi-temps. Ok, donc donner la victoire de l'Argentine à la première mi-temps. Et nous allons cocher dans notre coupon de Paris. Ok, nous donnons la victoire de l'Argentine à la première mi-temps et nous cochons dans le coupon de Paris. Et là, du coup, nous allons nous diriger vers les autres trucs. Là, nous allons le voir. Ok. Là, c'est victoire de l'Argentine à la première mi-temps. Nous allons nous diriger vers les autres failles. Et il faut avoir le bic ou le stylo pour écrire quelque part, car tous les codes que je vous donne sont très importants. Ça va vous permettre à gagner de l'argent. Et carton jaune à la première mi-temps. Donc, le mieux à faire, c'est regarder le carton jaune à la première mi-temps. Et là, nous allons descendre. Carton jaune à la première mi-temps, nous donnons la victoire de l'Arabie Saoudite. Parce que, en regardant le match, comme l'Argentine est en forme, il va donner une pression de possession de balle. Et lorsque l'Argentine est aux pressions de possession de balle, l'Arabie Saoudite sera obligée de défendre. Et là, ce qu'on défend beaucoup, il y aura des fautes. Et je peux dire qu'il y aura un carton à l'Arabie Saoudite à la première mi-temps. Donc, du coup, là, maintenant, nous allons nous diriger vers les autres failles du match. Donc, du coup, là, nous allons venir possession de balle. Et là, je comprends pas. Non, là, les codes sont pas trop bons. Et la faille n'est pas très bonne. Donc, du coup, nous allons diriger ici sur remplacement. Ok, remplacement, je crois que non. Donc, du coup, nous allons venir sur les autres failles, rechercher les autres failles dans le match de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Donc, du coup, remplacement première mi-temps. Et là, ce que nous allons faire, on peut mettre moins de 0,5 de remplacement. Donc, du coup, là, nous allons changer, nous allons changer, nous allons chercher des autres pronostics du match. Donc, du coup,
Et là, nous allons venir sur touche sur l'intégralité du match. Touche sur l'intégralité du match. Et le meilleur d'affaire est de donner plus de 29 touches dans le match. Ces touches, c'est très, très, très efficace. Ça rentre à tous les coups. Donc, du coup, nous allons venir sur des autres pronostics. Nous allons chercher des autres pronostics si et seulement il est possible. Donc, du coup, et comme nous regardons, il n'y a plus de pronostics. Disponible. Nous allons nous diriger vers l'autre match, le match toujours dans le groupe C. Ok, nous allons attendre dans le groupe C. Nous allons maintenant venir dans le match de Mexique face à Pologne. Donc, du coup, nous allons cliquer sur le match de Mexique face à Pologne, que des équipes en question sont dans le groupe C. Donc, du coup, et une fois cliqué, ça serait comme ceci. Nous allons attendre quelques secondes. Ok. Et là, ce que nous pouvons voir, c'est que le Mexique et la Pologne ont des mêmes quotas. Ça veut dire ont des mêmes quotas. Donc, du coup, nous allons venir sur la première mi-temps. Et en regardant ici, le mieux à faire, c'est de donner que le meilleur gagne à la première mi-temps. Plein de gens vont se dire que le Mexique est en forme et la Pologne est en forme pour encaisser des buts. Les deux nations pour encaisser des buts, ça serait difficile. Eh bien, oui, vous avez raison, mais l'une des nations va donner une pression à la première mi-temps qui va donner obligatoirement la victoire de l'une des nations de la première mi-temps. Et du coup là nous allons venir, il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué que je dois vous montrer. Et là nous allons venir sur les autres failles. Donc je vais revenir ici sur temps réglementaire. Et là nous allons monter. Et là comme vous pouvez le voir ici, la Pologne a un quota de 2,862. Et le Mexique, c'est un quota de 2,862. Donc là, nous allons venir sur remplacement. Et là, le mieux à faire, c'est de prendre remplacement à la pause. Plein de gens ne connaissent pas c'est quoi remplacement à la pause. Eh bien, je vous ferai cette vidéo sur cette faille qui fait gagner beaucoup d'argent. Et ainsi, ça me fait aussi gagner beaucoup d'argent. Donc du coup, nous allons partir dans les autres failles. Ok, nous allons nous diriger dans les autres failles. Et là, nous allons nous diriger dans les autres failles. Par exemple, touche. Dans le temps réglementaire, ça veut dire dans la totalité du match, de toutes les minutes. Et là, nous allons chercher des autres failles. Ok. Et là, maintenant, nous allons nous diriger vers notre coupon et je vais vous envoyer votre code pour pouvoir télécharger ce coupon. Et là, nous allons avoir voir les trucs que nous avons mis dans le coupon. Et là, nous pouvons voir, nous avons mis plus de 2 buts de l'Argentine sur tout le match. Et là, la victoire de l'Argentine à la première mi-temps. Et nous allons descendre. La victoire de l'Arabie Saoudite à la première mi-temps des cartons, ok, des cartons jaunes plutôt. Et là, nous mettons plus de 29 touches dans le match de l'Argentine, l'Arabie Saoudite. Et là, double chance que le meilleur gagne dans le match de Mexique-Pologne à la première mi-temps et Mexique-Pologne que le premier remplacement se fait à la pause de la première mi-temps. Donc du coup là nous allons venir appuyer ici sur placer et ainsi je vais vous partager le code pour télécharger ce coupon très facilement. Et voilà, je vais venir enregistrer le coupon pour vous permettre de télécharger ce code. Le code est de 4T4UX. Ok, donc ce code va vous permettre à télécharger le coupon. Là, je répète encore, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et lâche un gros pouce bleu. Donc, du coup, et une fois là, c'est bon. Nous allons vider notre coupon pour pouvoir vous montrer les deux meilleures failles dans ce match que vous n'avez pas remarqué, que je n'ai pas sélectionné. Je vais vous montrer les deux meilleures failles qui vont rentrer dans ce match obligatoirement. Je répète, obligatoirement, ça va rentrer dans ce match. Donc, du coup, nous allons commencer avec le match du Mexique face à Pologne. Donc, du coup, Mexique face à Pologne, nous allons voir remplacement à la première mi-temps. Ce que nous allons faire, c'est moins de 0,5 remplacement. Donc, il n'y aura pas de remplacement à la première mi-temps. Donc, du coup, là, nous allons faire un retour. Et nous allons nous diriger vers le match de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Et c'est toujours la même faille avec des remplacements. Et là, nous allons aller chercher le remplacement tout court, le remplacement de tout remplacement de temps réglementaire. Ça veut dire le remplacement qui se fera dans le 90 minutes. Et là, nous allons descendre ici. Ok. Le premier remplacement, nous allons là voir le remplacement à la première mi-temps. Ça donne un compte de 1, donc ça pèse pas. Et là, nous allons venir prendre pause, remplacement à la pause. Ça veut dire que lors du match de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, le remplacement doit se faire à la pause de la première mi-temps. Donc du coup, là, maintenant, je vais vous partager le code du coupon. Ok, je vais enregistrer.
Et le code du coupon est de YNKUX. Donc, du coup, si tu as aimé la vidéo, si tu n'hésites pas de liker et de t'abonner. Merci.